CESA de Francis Lormier, service d'éducation spécialisé de soins à domicile, regroupe aujourd'hui plusieurs services et dispositifs, une unité d'enseignement maternel autiste, un dispositif d'autorégulation, également un CESAD API, accompagnement précoce et intensif, le CESAD de Limoges qui accompagne des enfants âgés de 6 à 20 ans. Ce service est constitué d'une équipe pluridisciplinaire avec des éducateurs spécialisés, un médecin pédopsychiatre, des psychologues, une assistante sociale, une secrétaire de direction et des psychomotriciens. Nous accompagnons les familles et les enfants sur deux axes. Un axe guidance parentale au domicile. Nous intervenons sur tous les lieux de vie de l'enfant, aussi bien au domicile, à l'école ou au collège, dans les centres de loisirs, mais également des prises en charge au sein du CESAD. On a décidé de créer l'atelier graphomotricité avec une collègue éducatrice spécialisée. On travaille tout ce qui est autour du graphisme. L'objectif général du groupe, c'est de fournir des occasions variées, de travailler le dessin, l'écriture, le geste moteur associé à tout cela, en travaillant autour d'activités sur la motricité fine. On réduit souvent le graphisme juste au geste de la main. En fin de compte, c'est tout le corps qui participe à l'acte d'écrire. L'écriture, elle implique des capacités oculomanuelles, perceptives, motrices et cognitives. C'est une praxis qui est particulièrement coûteuse en termes d'attention et d'implication. Elle est également soutenue par la maîtrise du langage. Elle a une double fonction, conserver, communiquer. On a décidé de pratiquer l'écriture et le graphisme en groupe pour dédramatiser les jeunes qui ont des difficultés dans le fait d'écrire. Donc ça permet de dédramatiser les difficultés, de tenter de pratiquer l'écrit et le graphisme en général de façon ludique. On essaye de développer chez eux de la confiance en soi, de l'estime de soi. On travaille également, comme c'est un groupe, les habiletés sociales. Donc en favorisant les interactions sociales, on permet aux jeunes de s'entraider. On travaille également l'autonomie. Les objectifs plus psychomoteurs sont liés forcément à la motricité fine, à la motricité digitale des doigts, à la coordination de l'œil et de la main, aux coordinations des deux mains, à la régulation tonique, à la posture. On propose des activités qui favorisent la perception, la sensation. On tente d'améliorer les capacités attentionnelles des jeunes. Chaque enfant a passé un bilan psychomoteur qui recense les capacités et les difficultés psychomotrices de l'enfant en termes de motricité globale, de motricité fine, de graphomotricité. Et ces jeunes-là que l'on accueille au groupe ont des difficultés graphiques, que ce soit en termes de qualité ou de quantité d'inscriptions. Les habiletés sociales, elles permettent aux personnes TSA de décrypter les usages sociaux des personnes neurotypiques. Grâce à cet apprentissage, ils apprennent à établir un contact avec l'autre, à exprimer leurs émotions, leurs besoins, leurs désirs. Ils acquièrent aussi des capacités d'autocontrôle et apprennent à trouver et à appliquer des solutions lors de situations sociales compliquées au quotidien. Ça lui a fait faire beaucoup de progrès à la fois dans la façon d'être avec ses amis, avec la famille, avec l'ensemble des personnes avec qui il peut être en contact. L'accompagnement qu'il a au quotidien avec son éducatrice est vraiment très important et on pense qu'il ne se sentirait pas aussi bien dans sa peau maintenant qu'il est adolescent que s'il n'avait pas été accompagné par cette éducatrice. Déjà, ça nous a permis de bien comprendre ce qu'est l'autisme. C'était un trouble pour lequel on ne connaissait rien. Pour nous, c'était une maladie. Ça nous a permis aussi de ne pas culpabiliser et ça nous a permis de mieux vivre l'autisme grâce à l'accompagnement du CESAD et aux explications qu'on peut avoir avec notre éducatrice, avec son éducatrice. Pour les personnes concernées, c'est quelque chose d'essentiel. Ça nous a apporté déjà des outils de compréhension. Une oreille attentive, ça c'est hyper important. C'est une meilleure compréhension de qui il est. Ça c'est le jour et la nuit, hein, pour être très clair. Comme tout plein d'adolescents que vous pouvez croiser avec sa léthargie naturelle, il a vraiment appris à se confronter aux autres. Il nous parle de ce qu'il fait avec son psychomotricien et souvent il nous parle de ce qu'il fait le mercredi après-midi en groupe où il y a vraiment du plaisir, où il y a vraiment du partage, où il découvre des choses. On partait un petit peu dans l'inconnu pour essayer de le tirer vers le haut et de lui permettre de se découvrir en tant qu'individu.
On a monté le groupe d'équitation adaptée pour les jeunes suivis par le CESAD. Et donc ça vient en complément des autres interventions que l'on effectue, thérapeutiques, éducatives, sociales et scolaires. Et elle s'intègre donc dans un projet qui est global et personnalisé. Le poney est le médiateur du soin. L'équitation adaptée permet d'impliquer les modalités sensorielles, cognitives, perceptives et motrices du jeune. Les séances sont ritualisées afin de les rendre maîtrisables pour les jeunes. Cela participe à favoriser l'autonomie et la planification de la tâche. Elle débute tout le temps par un temps de soin du poney où les jeunes utilisent différents types de brosses. L'activité se poursuit ensuite sur la monte, que ce soit en manège, donc dans un lieu sécurisé, ou à l'extérieur, ce qui favorise les sensations et les stimulations. Petit à petit, les jeunes acquièrent une meilleure maîtrise de leur animal. Ils peuvent contrôler la vitesse et les déplacements du poney. L'activité participe donc à l'intégration sensorielle. Elle met en jeu les capacités d'équilibre, de posture, de coordination et de maîtrise du tonus. De récentes études ont démontré l'intérêt, les bénéfices observés lors de cette activité, notamment la réduction des hormones du stress, expliquant l'effet apaisant ainsi que l'action sur les comportements, les émotions et sur la socialisation des jeunes. Dans la gestion du délai en vue d'une future admission au CESAD, nous avons créé le dispositif FILA qui gère la liste d'attente des enfants notifiés par la MDPH, mais également une mission de coordination de parcours des enfants de l'ensemble du CESAD Francis Lormier. Une professionnelle éducatrice spécialisée et détachée intervient en termes d'appui technique, de sensibilisation et de formation auprès des familles et des différents intervenants le cas échéant. Elle coordonne un ensemble d'acteurs dans le cadre des ressources au sein même du territoire pour pallier l'attente d'une future admission au sein de l'un de nos services du CESAD Francis Lormier.